écoute, au moins t'as testé, hein. Tu t'es pas dit qu'il y avait un souci, quoi. Plus bourratif, tu meurs. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà, de base, la boulette de falafel, c'est une grosse boulette de pois chiche. Ça démonte le bide. Tu rajoutes ça dans une galette avec... T'as pris quoi d'autre? Tenders? Oh mon dieu, du tenders. Mais dans la bouche, en même temps, du tenders et du pois chiche écrasé, frère. En boulette. Oh mon dieu. Mon dieu. Ah, toi, t'es dangereux, toi. Ouais, je suis désolé, hein, je vais utiliser le mot, mais t'es dangereux, mon gars. Moi, je te ferai pas garder mes enfants, hein. Je te filerai pas la garde de mes enfants, hein. Bon, de toute façon, c'était déjà pas au programme. Mais je suis un fils de pute. J'ai sauté dans le vide. En fait, j'ai voulu double jump comme je fais d'habitude. Non, mais laisse. Faut rien dire. Je te confierai pas mes enfants, mais si je veux tout à fait être honnête. Je me confierai pas mes enfants non plus. Ouais, je me confierai pas mes enfants non plus, pour être honnête. Malheureusement, le problème, c'est qu'il y a plein de mecs qui se sont dit ça aussi. Qui se sont dit qu'ils ne se confieraient pas leurs enfants. Et ces mecs, au lieu de ne pas se confier leurs enfants, ils sont partis. Ils ont abandonné l'enfant. Ce qui n'est pas une bonne chose. On s'empare de Baker. T'es sûr qu'il allait venir. Oh, l'abruti de la bourgade. Il a vraiment joué comme un chicken. Ouh, dommage, j'aurais dû mettre mon X. Ouais. Ah, non, ça va, je l'ai mis, j'ai mis le code chiffré. Donc j'ai toujours ma série. RAS. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais venez vous faire laver. Lavage à 90 au vert chez Zach. Discussion profonde. Ah gros, les streams de Zach, on parle politique, on parle entrepreneuriat. On parle réussite dans la vie. On parle plein de trucs très intéressants. Hein. Vous vous rappelez la dernière fois quand on avait parlé de... Ou encore de... Ou de... Boum. Kill. Un kill avant les yinches. Oh non! Me dis pas que j'ai perdu les chiens sur ça. Non, ça va, j'avais encore mon code chiffre. Code chiffré pour les mecs nuls, comme Zach. On perd l'objectif Baker. Je laisse un code chiffré. J'avoue, j'ai pas osé rusher. C'est que là, vous venez d'assister à une des plus grosses pertes de couilles de la décennie, là. Yes, c'est un beau. Bon, je veux au moins mes chiens. J'ai vraiment purement perdu mes couilles là. Ils ont tué un de nos chiens. Montre-leur qui commande ici. Ça spawnera. J'ai eu trop peur. Les petites balls de Zach, je vous jure, j'ai eu trop peur, les gars. Ça va se balancer. Non. Arrête. On prend Able. Les informateurs locaux ont des renseignements. Ils peuvent pas nous échapper. Vos alliés ont fait appel à des informateurs locaux. Vers l'objectif Able. Attention, vos alliés ont demandé un bombardement. Il est mignon, il a cru qu'il allait m'échapper. Vous avez vu comment il a cru qu'il allait m'échapper? En vrai, il était mignon, j'ai accepté. J'ai bien aimé. Oh, what? Il est apparu dans mon viseur? Wesh! J'ai visé là, je l'ai même pas vu faire! Oh la chatte! Je l'ai pas du tout vu faire ça! Oh le déplacement pourri! Il fait demi-tour lui. Mange ta tête. Il spawnera. Trop cheaté le post-mortem. Ouais, de ouf. De ouf. C'est trop fort le post-mortem. Je l'ai déjà dit, hein, j'ai fait une vidéo dessus littéralement.
Franchement, le post-mortem, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Un kill à la greu. Un kill à l'arme principale, un kill à la secondaire. Non, le seul truc qui rend le post-mortem ok dans ce jeu, c'est que en soi, les streaks sur ce jeu sont pas overpuissants non plus. Genre franchement, on peut se le dire, les streaks sur ce jeu, ils sont pas encore trop abusés, genre ça va. Et je dis pas qu'il y en a pas des chiants, tu vois, mais ils sont pas tous ultra cheatés, tu vois. Genre y'a pas, tu sais, de gros hélico de la mort qui vient complètement péter les couilles et tout, tu vois. Ça y'a pas. C'est ok, tu vois. On capture Abel. Bombardement allié déployé. Non, chien! Dans mon dos! Sinon j'avais un kill facile, j'étais encore en série, c'est dommage. Sauf le Predator trop de chute. Non, ça va. Ça va. Allez, go sur B. Vous voulez que je vous dise une petite anecdote sur l'émission d'hier? Sur l'émission d'hier que j'ai trouvé vraiment trop mignonne, l'anecdote. Donc hier, c'était ma première émission, Loop, le premier épisode et tout, c'était cool. Vraiment, c'était le feu. Il y a le replay déjà disponible sur YouTube et tout. J'ai créé une chaîne YouTube et tout, bref. Au-delà de ça, parce que c'est pas de ça dont je vais vous parler. Donc hier, j'ai bossé avec mon équipe et tout. Donc Emma, Alex et tout, genre mon alternant et compagnie. C'était énervé, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire comme anecdote? À un moment, ils sont allés acheter de l'eau pour qu'on puisse boire, quoi, tu vois, pendant l'émission. J'arrive... vraiment, ça, c'est le truc que j'ai trouvé trop mignon. J'arrive pour l'émission. Je récupère la bouteille d'eau. C'est pas, je vois, ils ont enlevé la marque. Genre, ils ont enlevé le Evian. Ils ont enlevé le Evian comme on fait, genre, dans les web TV et tout. Ils ont enlevé le Evian. Genre, ils ont enlevé le bandeau de la marque pour pas qu'on voit la marque. J'ai trouvé ça trop mignon. J'étais en mode... Oh! Vous essayez de faire les choses bien. J'aurais dit, mais les gars, ici on est pas sur le stream, on est sur zacknani.com, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais j'ai trouvé ça trop cute. Non mais voilà, c'est ça, trop choupi. Tellement ils ont voulu bien faire, vu que habituellement quand ils regardent des émissions, ça enlève la marque. Ils se sont dit que c'était ce qu'il fallait faire. Donc ils l'ont fait. Tricapa, lâchez. Vraiment, j'ai trouvé ça trop chou. Ah non, en vrai tu peux en prendre, c'est bon. Désolé. J'ai pas capté qu'il prenait un. Ça a mis du gaffeur. Ah mais tu vois le bail où ça enlève un peu la marque et tout pour éviter qu'on voit trop de marques parce que t'as pas le droit à la télé et tout. Mais vraiment j'ai trouvé ça trop chou. J'étais là en mode oh. Pourquoi il est pas mort? J'étais assez bien les jeunes. Vous voulez bien faire. Bonne initiative en vrai. Bah de base, l'idée est pas du tout nécessaire. C'est à dire que moi sur mon stream perso je peux montrer autant de marques que je veux. C'est-à-dire qu'on peut voir que c'est des bouteilles Evian qu'on boit, on s'en bat les couilles, tu vois. Je suis pas tenu d'avoir un temps de... Un temps de marque similaire ou je ne sais quoi, tu vois. Mais, déjà de base, c'était mignon d'y avoir pensé, tu vois. Petit boule scotch sur le Nike, non, et parce qu'on n'est pas à la télé. Et alhamdoulilah qu'on n'est pas à la télé. On a une liberté de ton qui est pas trouvable ailleurs. Hier on a eu un Joel Speak Facts de qualité. Mon gars Joel hier il a tiré sur le live. J'étais mort sa mère. Hier de la manière dont il a tiré sur les mecs dans du live, j'étais cuit gros. Non mais franchement hier les gars c'était trop marrant. C'était trop drôle. Hier vraiment il a tiré des bastos. Vraiment, Joël, il est arrivé, il a fait « Oh, le live, le casting, il était horrible. C'était que des boomers et des gens has-been. Et des mecs qui faisaient plus de vues. Oh, » je me suis dit « Ah ouais. » Joël speak facts, mais là, Joël, il speak fire surtout, là. Vraiment, j'étais mort. Ah, je savais pas Pinto. Mais ouais, ça c'est les codes de la télé, le CSA et tout, c'est vraiment relou. Tu seras obligé de cacher les marques et tout. Après, est-ce que c'est relou? Est-ce que c'est une bonne chose? En vrai, ça pourrait être considéré comme une bonne chose. Moi, je dirais plus que je m'en bats les couilles, pour être honnête, de cacher les marques et tout. Ah ouais, non mais... Vraiment, quand on balance Joel Speak Facts, c'est trop marrant.
Parce que je vois, il a une manière de dire les choses et tout qui est trop drôle. À des moments, tu sens qu'il prend un peu de plaisir à balancer... le feu, quoi, tu vois. Quitte à piquer un petit peu. Et ça, je trouve ça trop drôle. Oh non, mais je pensais qu'il allait venir me rusher, que j'allais pouvoir le brain. Hop. Je pense quoi de maintenant la télé? Ouais, Zach. Ah. Ouais, wesh, mon frère. Oh, Zach. Wesh. Wesh, le frère. Ça va ou quoi? Je suis sur le stream, le couze. Ça va, tranquille. On est là, hein. Ah, bah gros, tu passes une belle après-midi. Bah écoute, ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah, tout va bien, mon gars. Ouais, écoute, je viens de rejoindre la partie, je me suis fait enculer. Ça arrive, hein. C'est super, hein. Ah ouais, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, hein. Ah, bien joué à toi et à tes collègues. Bien joué, toi également, le frérot. Tu viens d'où? Ah, bien joué. Ah, ville de... Vers Marseille, hein. Ça s'entend un petit peu, j'avoue. Bah, un petit peu. Bah écoute, bonne journée le frérot. Bah vas-y, bah écoute toi aussi. Toutou. Allez, continue comme ça, et ciao. Merci. Quel frère. Il était trop sympa. Il était trop sympa.